Collectif 7 juillet, c'est une organisation qui regroupe plusieurs organisations universitaires, organisations professionnelles, syndicales et paysans, avec organisation des militants qui bataillent sous terrain. Collectif 7 juillet, depuis plusieurs semaines, entamé en bataille. Et bataille ça, c'est pour faire lumière sous action gouvernement Ariel Henry a mené en deux pays. Et gouvernement ça, nous constatons c'est un gouvernement qui monte en dehors de la loi, en dehors de la constitution de 1987 amendée, en violation de l'article 158 de la constitution 1987 là. Dans souci pour nous mener enquête sur le gouvernement Ariel Henry, il y a une démarche que le collectif 7 juillet fait. La première démarche qu'il fait, il écrit et président Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, président Boamene. Nous demandons lui pour lui vérifier pour nous, pour lui clarifier avec la société hein, de ministre, de ancien directeur général qui fait partie du gouvernement Ariel Henry si il y a un avis favorable de Cour supérieure des comptes. Parce que la loi exige pour un monde de ministre, il y a des conditions pour remplir. Et une condition, si vous êtes rempli un poste ministériel déjà, ou êtes comptable de dédié public, il faut qu'on gagne des charges. Et ça, c'est une condition et sine qua non pour qu'on rempli pour faire ça. Donc jusqu'à présent, il y a des doutes qui planaient sur des anciens ministres, des anciens directeurs généraux dans le gouvernement ça, qui t'a dit que vous n'avez pas un avis favorable, vous n'avez pas des charges. Dans ce sens, ça, nous demandons avec le président Boamene pour lui faire lumière sur ça. Nous écrivons une lettre. Et nous avons accusé de réception là devant nous. Jusqu'à présent, nous attendons que le coup de faire nos réponses. Et s'il n'y a pas nos réponses dans le nombre de temps que la loi exige, nous avons de l'autre processus que nous avons mis en place pour nous permettre de nous jouer une réponse avec le coup de faire des comptes. Deuxième démarche que nous faisons, nous écrivons M. Jean-Emmanuel Kasséus, qui est directeur général DGI. La loi exige pour les ministres en deux pays. Faut pour répondre avec exigence fiscale. Dans ce sens, nous écrit DGI pour nous demander, pour lui vérifier pour nous, est-ce que ensemble ministre qui fait partie du gouvernement Ariel Henry, ils ont respecté ça la loi dit dans la question fiscale. Est-ce que ils ont payé déclaration définitive d'impôt ces dernières années? Nous toujours constater, les gouvernements dans le pays, c'est le dernier jour. Les messieurs qui ont descendu dans le Parlement, ils ont couru à répondre avec l'exercice fiscal. Ça. Puisque par le Parlement, donc c'est nous-mêmes dans la société civile là, qui pour constituer tête en véritable force de pression pour permettre la bagarre de faire comme ça. Quoi. Dans ce sens, nous avons DGI pour lui faire nos réponses et dans le jour où nous allons passer à l'action pour nous joindre une réponse avec l'aide que nous écrivons. Pendant ce temps, nous gagnons ULCC et nous gagnons des marchands pour beaucoup de ULCC, nous gagnons des marchands pour beaucoup de UGREF, toujours dans le souci pour nous faire lumière, pour nous montrer la société. Le travail qu'a fait là, c'est le travail qui nous permet. Pas de bagaille qui a posé en dehors de la loi, malgré toute situation difficile qui gagne, mais il faut que l'esprit de la Constitution lit et respecte ce qu'a fait. Dans la démarche que nous avons fait, nous avons mené une enquête sur chaque ministre qui fait partie du gouvernement Ariel Henry. Et nous clair déjà, son gouvernement qui monte en violation de l'article 158. Nous avons de informations qui t'a fait quoi que nous avons deux ministres dans le gouvernement Ariel Henry qui ont double nationalité. Nous avons entamé de recherches, nous avons fait une enquête et nous avons en route pour nous joindre deux papiers qui t'a prouvé ça. Donc nous disons à la presse, nous jouons à Bini Laro. Puisque nous disons information au conditionnel, nous avons mené une enquête sur ça, information au de nous, et nous commençons à retracer qui ministre, nous commençons à joindre le papier qui t'a montré réellement que l'information sont informations qui vont, eh bien, nous disons à la presse, le jour qui vient là, nous devons pour nous communiquer, si c'est avoué, information que nous avons livrée, après toute enquête que nous menons, vérifier et montrer à la presse. Papier qui montre qu'il y a deux ministres du gouvernement Ariel Henry qui ont double nationalité. Nous invitons toute organisation de la société civile, quel que soit côté OEM d'un pays, quel que soit catégorie, quel que soit position politique, pour mettre tête ensemble, pour constituer une véritable force de pression et barrer la route
avec le gouvernement ça qui pensait yo ka fait toute bagaille sans un accord politique, sans yo chita parler avec organisation de société civile, organisation universitaire, organisation nan paysan, organisation professionnelle, yo syndical, yo façon pour pays en joindre yon route pour crise ka résoudre définitivement. Mouvement yon li lancé, bataille lancé, population rete créative. Dans le jour qui vient là, il y a deux sittings qui ont lancé, il y a deux manifestations qui ont lancé, il y a deux marches qui ont lancé, de façon pour nous constituer véritable force de pression ça et empêcher de action anticonstitutionnelle commencer à poser ou de continuer à poser en deux pays. Merci beaucoup. Qui ça qui explique expliqué gain de collectif et 7 juillet? Nous pas qu'à identifier on l'autre collectif 7 juillet. Nous même nous connaissons 7 juillet sont date symbolique pour nous comme universitaires, sont phase transition et sont atteints graves avec bataille qui était faite pour nous rentrer dans la démocratie dans le pays. Hein. Nous avons gens nous comprendre ni même par rapport avec l'expérience, par rapport avec la capacité intellectuelle. Nous pensons fort que nous avons une mobilisation, c'est ça que le collectif, ce n'est pas une organisation, c'est un regroupement d'organisation que nous entendons, nous discuter sur ça, nous garder dans toute profondeur li, et nous d'accord pour nous faire une bataille sur lui pour marquer le pays hein, qui un jour. C'est qu'on a été grave à la démocratie dans le pays et juste à regretter comme on a symbolique et ça fait collectif 7 juillet. L'entrée est une dynamique pour poser des actions concrètes et montrer qu'il faut gagner le bagage qui n'est pas fait dans le pays. Donc si vous avez collectif 7 juillet, nous ne pouvons pas reconnaître, mais collectif 7 juillet par nous en lien, mais en français, et les charriers, ils ont une revendication et une revendication qui est allée dans l'intérêt majoritaire. Tout à fait. Et est-ce que comme si. Nous beaucoup près pour bien taban à Afipano sur l'élection qui est gagnée pour organiser dans le pays et dans le jour qui a venu là. Et d'après ça, PM a été dit hier, après tu parles de gagner ensemble avec Joseph Lambert. Pour le moment, nous clair déjà. Conditions pour qu'on réunisse pour gagner l'élection dans le pays. Et la bataille appel est là, son bataille pour montrer. Le gouvernement Ariel Henry a non seulement dit inconstitutionnel, il montre en violation de l'article 158, non, mais il y a une action qui a posé qui est anticonstitutionnelle. Non seulement le gouvernement anticonstitutionnel, et il y a une action qui a posé là, c'est une action anticonstitutionnelle. Donc, parler de l'élection avec l'exécutif municipal, on est qui pour le ministre là-dedans, sans parler d'un accord politique, sans parler d'une entente avec différentes forces vives nationales, pour une chita d'accord que vous nécessitez pour nous aller à l'élection et poser conditions pour nous aller à l'élection. Collectif 7 juillet passé, nous pouvons dans dynamique ça tout autant, nous pouvons jouer nous entendre un accord politique pour nous aller vers question ça. Nous ne pouvons pas courir si nous faisons action, il faut que nous calculions, il faut que nous réfléchissions davantage pour action en soi pas venir poser problème. Et nous toujours prenons élection dans le pays qui qualité problème qui pose là-dedans. Donc dans ce souci ça, pour nous faire une bonne élection, ou bien pour nous prendre route pour une bonne élection, il faut au moins nous mettre des bases par l'autre, que nous avons un accord politique. Qui d'accord, il faut qu'il y ait deux changements qui fait dans les institutions qui l'a pour organiser l'élection. Qui d'accord, il faut qu'il y ait deux conditions qui réunissent pour l'élection faite. Qui d'accord, il faut qu'il y ait ou bien sur l'exécutif monocéphale ou bien sur l'exécutif bicéphale. Il faut qu'il y ait deux conditions, il faut qu'il y ait deux ententes. D'abord, il faut qu'il y ait deux consensus qui permettent les conditions réunies pour nous faire route pour nous aller dans l'élection. Pour finir, il y a un PM qui est sur notre, bien sûr. Et côté il y a un changement dans le et KIPO, malgré le changement qui t'a gagné, est-ce que le collectif est prêt pour toi, alors soit t'as supporté le président ou bien et t'as avéré sur l'élection qui est pour venir là. Le collectif c'est dur pour qu'on ait des matchs là. Ça qui est essentiel pour nous, c'est yon chita pali. C'est différentes forces vives nationales. C'est yon accord politique. En tant que collectif c'est dur, plein d'organisations dans la société civile là. Universitaires, professionnels, syndicalistes, paysans, etc. Donc, si on attend, on a quoi qu'à fait. De fait, collectif 7 juillet doit faire partie de lui parce que lui regroupe une bonne organisation. Et c'est l'organisation qui est légale, qui est dans la société civile. Non. Donc, que PM n'a dit qu'il va changer le monde KEP. Ça, c'est PM. Non. Pour qu'on lit, c'est condition pour qu'on réunisse pour gagner le bagage comme ça qu'à fait. Tout en tant que PM n'a pas qu'on rencontre les forces vives de la nation. Il faut qu'on rencontre différentes organisations de la société civile, les partis politiques, pour que nous soyons d'accord que le changement dans le KEP, mais comment il doit faire, mais qui secteur qui doit la donner, et bien collectif, pour qu'on inscrit une démarche comme ça. Nous prenons nous-mêmes,
dans cette situation dans le pays, nous ne pouvons pas capoter pour eux. Il faut action qu'on pose, calculer, puis nous devons pour ne pas créer des problèmes, pour ne pas avoir une crise politique encore. C'est l'université en nous, c'est acteur politique nous, c'est le militant souterrain nous, nous comprenons ce qui a passé. Et bien, nous demandons pour cette situation là, un dépassement de soi, un recul qui fait. Pour ça qu'a posé yo, yo pas le poser problème pile devant, mais nous guette en barrio et permettre les bras poser action pile devant pour parler, recalculer, repenser et laisser ça aller directement vers l'élection. Tout à fait. Rappelez-nous aussi. Réginald Généon, porte-parole pour les 17 jours. Réginald Généon.